Eh bien bonjour les Twitchos, bonjour les Twitchas et bienvenue pour ce stream de qualité en compagnie de votre streamer slash youtubeur préféré, le susnommé Marvin Schrödinger. Vous connaissez la musique, vous pouvez me suivre de part et d'autre d'internet via ce pseudonyme et ou des liens hypertextes se trouvant sur ma chaîne Twitch, dans la bio de ma chaîne Twitch, sous mes vidéos de mes deux chaînes YouTube et mes réseaux sociaux, voilà. La dernière fois, c'était il y a 2 jours, on était sur Skyrim, on chillait, mais en fait, je me suis rendu compte que on est arrivé à un moment de Skyrim où, alors, les principales quêtes ont été faites, mais il doit en rester, faut les chercher, mais ça va être des petites quêtes à droite à gauche, on va voir ce que c'est, on chill, et puis voilà, donc sans plus attendre. Streamlabs de merde, voilà. Sans plus attendre. Eh ben, on va à Skyrim, hein? Voilà. Allez, apparaît. Voilà. Pour les FPS, ça m'a l'air d'être bon. Ouais. Non, parce qu'il y a 2 jours, il m'a fait quelques petites surprises, hein. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai comme quête? Ah oui, confrérie noire, alors. Je sais pas. Encore une fois, si ça, c'est à l'infini, ce genre de petite quête, mais bon. Ça, tous les moyens sont bons. Ah oui, il s'est avéré que le gemme étrange est l'une des 24 pierres, selon Vex. Elles n'ont de valeur qu'une fois toutes réunies, d'accord. Trouver Alice, bah on va pas faire. Ah bah je sais ce qu'on va faire. On va aller à Solstheim. Et on va se balader. Pour commencer. Par contre, oui, ça m'a fait penser cette quête que j'ai mise. Bah je peux pas la faire parce que ça bug, tout simplement. Donc je pense que. Ah, ouh, c'est quoi ça? Rien est une stature modeste. Ont une stature modeste. Les attaques en horde et peuvent être redoutables au corps à corps. On les sait même capables d'apprivoiser. D'accord, ouais, j'ai déjà vu ces petites merdes là. Je les ai déjà vues. Allez, chargement des protocoles électroniques. Oula, les poils du sanglier là, c'est moche ça. Alors. Et nous voici à Solstheim. Est-ce qu'il y a un dragon? Non. Oula, mon dieu. Parlez au capitaine Gyalund. Ouais. Du coup, ce qu'on va faire... Alors, fais voir un peu la carte de Solstheim. Non. Ah, oh, supprimé. Ouais, ok. C'est quoi, ça? Temple de Mirac. Ah, oui. Où est-ce qu'on peut aller? Où est-ce qu'on... Et si on allait, je sais pas, genre là? Allez. On va voir ce que ça donne. On va voir ce qu'il y a. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh, le FPS alors là. Ne restez pas là. Ouais, je t'emmerde. Ouais. Je sais pas où qu'on va passer. Hop. Si vous traversez le désert du sang. Surveillez bien le sol. Les engeances de cendres peuvent jaillir de n'importe où. Là-bas. C'est quoi? Garde de Redoran. Ok. Urne. Ah, mais il y a des urnes. Oh, mais c'est de la merde, ces trucs. Pommes de cendres. Ils ont que des pommes de cendres. Ouais, bah, mon dieu. Attends, ils doivent festoyer allègrement. Ici. Plus d'animation maintenant que l'avenir promet d'être un peu meilleur. Je crois que je vais rester un peu plus longtemps, finalement. Là-bas. Attends. Ah, merde, j'ai... 427 sur 445. Faut que je retourne à bord de ciel. Pour déposer des trucs, parce que là, je suis blindé. Ah, 427 sur 445. Je vais essayer aussi de vendre des trucs. Je dois avoir des armes. Et merde. On va voir ça. Hein. On va voir ça. Allez. Ah,
Paf, on va aller à... à Blanche Rive. Bah c'est bien. Allez. Qu'est-ce qui lui arrive, lui? Pourquoi il bouge pas, lui? Puisse ces gris toiseaux finir dans l'oblivion. T, on va attendre. Huit et voilà. Lui, il a attendu 4 heures avec moi, bah dis donc. Ah, alors toi, tu peux m'acheter des trucs. Épée, casque, à peu près tout ce qu'il vous faut. Arc de verre, espadon d'ébonite, donc ça, je le garde. Arc de verre, et bah, attends, fais voir ce que j'ai d'autre. Hache d'ébonite, 700, ça, je le garde. Attends. 103, et l'arc, le... Waouh, on va le vendre. Bah vrai. Voilà. Oula, il lui reste 10. N'oubliez pas d'aller voir un intérieur. Ouais, c'est ce que j'allais faire. À chaque fois, il me répète les mêmes phrases. À chaque fois. Oh, au bout de 200 heures de jeu, je te jure, c'est épuisant. Avez-vous rencontré mon... Nous avons également... Vous voulez vous protéger ou faire des dégâts? J'en sais rien. Je veux surtout de vendre des trucs. Donc j'ai ça. T'as combien? 1000... 127... Bah, on va te vendre... Non, on va te vendre ça. Paf. En tenue, qu'est-ce que j'ai? J'ai un bouclier d'ébonite. Oh là 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 là. En divers. Un lingot d'or. Tiens. Et j'ai aussi plein de flèches. Notamment des flèches de fer. Pour 325. Allez. 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 Hop. Hein? Comment ça? Je crois que je me suis mal démerdé. Voilà. C'est un plaisir de faire. Ouais, un plaisir. Ouais. Vous voyez ces guerriers de l'enclume? Ils ont des épées à lame courbe. La meilleure attaque, c'est une bonne défense, pas vrai? Vous êtes coriace, vous. Ne vous en ai-je pas dit assez? Ouais, cas. Dites-moi si vous voyez quelque chose qui vous plaît. Tout est à vous. Regardez donc. Des petites potions, il n'y a pas... voilà, maintenant je vais acheter de la potion de magie parce que j'essaye d'améliorer ma magie un maximum. Donc ça, et ben voilà. Bah ça t'en fait de la fraîche, là tu vas pouvoir m'acheter des trucs. Tenue. Allez, le bouclier, tu prends ça. Ok, en arme, arc de verre. L'arc de verre, ouais, fais voir. Sinon j'ai, j'ai les 700, ouais, c'est peut-être mieux 700, ouais. Paf, voilà. En tenue, j'ai pas des petites merdes. Attends, fais voir, 183, il lui reste 92, 183. Modifie, ça je sais pas si je le garde. En même temps, ça pèse que dalle. Oh, ça peut toujours servir, sait-on jamais. 183, t'as pas grand chose. Potion, qu'est-ce que j'ai comme merde? Ces trucs là, 183, ça. Poison virulent. Inflige 50 points de dégâts de poison. Ah ben. Eh ben écoute, tiens, prends-le. Revenez donc. Toujours les mêmes phrases, hein, toujours. Je me demande combien pèse le dossier dans Skyrim. Seulement le dossier des paroles, en fait. Ça doit être... un nombre effarant, sûrement plusieurs gigas.
Non, je suis pas alchimiste et je veux juste acheter des merdes là, des petites choses. Alors ça, je prends. Je prends. Non, ça, non. Et t'as pas des trucs de magie? Non? Bah alors? Ma grande. Par contre, moi, j'ai quelques potions sur moi à te vendre. Parce que j'en ai un max. Fais voir, qu'est-ce que j'ai comme merde à te vendre? Ça, tu prends. Ça, tu prends. Élixir de puissance durable, la magie se régénère. Non, je garde ça. Ça, tu prends. 77, t'as pas un truc à 77, là? 32, c'est quoi? Puissant poison, persistant, j'en ai rien à foutre. Tiens, prends-le. 45, qu'est-ce que j'ai à 45? 16, oh, bah ça, je... Bon, alors, fais voir. 48, allez, je te l'ai fait pour 45. Voilà. S'il vous faut un remède, revenez quand même. Ouais, c'est ça. Enfin, tu me dis la même chose, tu m'emmerdes. Et pourquoi tu me suis encore? Oh là là, il m'emmerde. Les objets, je suis à combien? 356 sur 445. On est pas mal là. Le reste, on va les déposer chez moi. Puis je sais pas si on va aller à Solstheim finalement. On va voir. Sûrement des petites quêtes. Non mais en même temps, Solstheim, je connais pas quoi. J'ai pratiquement rien découvert de Solstheim. J'ai fait une quête d'une DLC quelconque. Enfin, mais en même temps, je l'ai même pas terminée cette quête d'ailleurs. Arc de verre, je range. Ça, je garde. Ouais, ça, je garde. Ensuite, en tenue. Qu'est-ce que j'ai en tenue que je peux poser? Bon, potion, on s'en fout. Ouais, bah, voilà. J'ai pas des lingots ou des merdes comme ça? Attends, quoi? Ah non, je crois que c'était des fragments de gemmes. Oh, pierre de Berenzia. Ouais. Ok. Bon, bah c'est bon. On va aller à Solstheim. Ouais. Hop. Voir un peu ce qui s'y trame. Les habitants de Solstheim, héritiers du gardien, doivent rester plus que jamais sur leur garde. Sans quoi le sombre influence de Mamora, ou même la traître d'une personne, naîtra un jour. Extrait de l'ouvrage Le gardien et le traître. El gardino et el traîtresse. Ah. Ouais, je suis bilingue espagnol. Si vous voulez faire la... Je vais juste regarder un truc. Si je stream bien sous l'appellation Skyrim, parce que ça m'a déjà fait, mais je mettais Skyrim et pff, moi ça mettait rien dans mon live. Alors, fais donc voir. Ouais, Zelda Scroll. C'est ça. C'est ça. Ok. Bah c'est reparti. Pour la découverte de Solstheim. Oh, c'est quoi ça? C'est un poil de cul? Attends, il est là. Oh, c'est pas un poil de cul, ça. C'est un poil de barbe. Merci. Voyez ça avec le capitaine. Ah, il y a toujours le curseur. Très bien. Il est quelle heure? Ah, c'est le soir. J'aime pas. Déjà que ces contrées sont dangereuses. Alors, si j'y m'y balade le soir... On va attendre 6h du matin. On dirait qu'il fait ni nuit, ni jour. Regarde ça. C'est toujours le même pareil. Bon, enfin bref. Ah, c'est quoi c'est? C'est par là. Si vous voulez faire la traversée, voyez ça avec le capitaine Guillaume. Chaque fois, il me répète les mêmes choses. Et si vous voulez faire, c'est fou. Hein? Bon. Y'a quoi, là? Ça, Corbe Rock ne subsiste que manoir. Un manoir? Fais voir. Vous cherchez quelque chose? Ah, peut-être. Au nom de la maison Redoran et en tant que conseiller de Corberock, je vous souhaite la bienvenue. En théorie, Solstheim est sous ma juridiction. Mais sans les revenus de la mine, je n'ai pas vraiment les moyens de gouverner autre chose que Corberock. D'un autre côté, il n'y a pas grand-chose au-delà de ces murs. Corberock est l'unique colonie de l'île? Pas exactement. Des Nordiques ont formé une petite enclave au nord, le village d'Escal. Ouais. Ils restent dans leur coin, et c'est très bien comme ça.
Vous avez aussi Tel Mithrin dans l'Est. C'est le domaine des Telvanni. Ils sont étranges, mais ils viennent eux aussi de Morrowind, alors nos rapports sont plutôt courtois. À part ça, Solstheim est infesté de bandits et de Riklin. Ça n'a rien d'étonnant, ces terres sont encore très sauvages. Qu'est-il arrivé à la mine ? C'était l'un des plus riches gisements d'ébonite de Morrowind. Ouais. Mais il est épuisé depuis des années. Aujourd'hui, nous arrivons tout juste à survivre. Sans la mine, Korberok ne devrait plus tenir très longtemps. La maison Redoran, de quoi s'agit-il ? Vous n'avez jamais entendu parler de la maison Redoran ? Ben non. Nous sommes la plus puissante des grandes maisons. Ouais. Et nous dirigeons le conseil qui régit... La plus puissante, tu diriges rien à Solstheim, alors calme-toi. Le conseil, voulez-vous dire qu'il n'y a pas de Jarl ? Vous n'êtes pas en bord de ciel ici. Ah. Une union de puissantes familles d'Unmer règne sur Morrowind depuis des millénaires. Des millénaires ? Elles forment un conseil regroupant les 5 grandes maisons. Telvanni, Dress, Indoril, Sadras et Redoran. Mais vous m'avez dit que les Redoran étaient à la tête du conseil. Bien sûr, avec 5 maisons se partageant le pouvoir, il faut bien que quelqu'un maintienne l'ordre. Nous dirigeons le conseil en vertu de la sagesse, de la supériorité martiale et de la gloire ancestrale de notre maison. Ça me paraît bien compliqué. Oui, c'est bien normal quand on est étranger. Ah ouais, tu dis ça parce que je suis noir ? Si vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à consulter les ouvrages présents dans ma bibliothèque. Non, rien à foutre, je suis pas là pour lire. Les portes sont ouvertes si vous souhaitez discuter des problèmes. Ah d'accord, ok, rien à foutre. Ouais, qu'est-ce qu'il y a là ? C'est à lui que je viens de parler, oui. Si vous cherchez la compagnie de l'Empire Oriental... Vous avez l'air capable de vous aventurer en dehors de la ville. Peut-être pourriez-vous m'aider à retrouver un objet précieux. Il y a quelques mois... J'ai envoyé un folio à la librairie première édition de la cité impériale. Ah ouais. Ils se chargent de refaire la reliure. Ils me l'ont expédié il y a peu, mais il n'est jamais arrivé. Ah merde ! Oui, la rafale stridente, ou quelque chose comme ça. Ce maudit rafio a sombré près de la côte de Solstheim. Non mais, vous vous rendez compte ? Un des marins a survécu. Le pauvre s'est traîné à 4 pattes jusqu'à Korberok. Avant de mourir, il a informé du naufrage la garde des Redoran et nous a prévenu que l'épave serait vite infestée de ravageurs. Mon Dieu ! Je vais essayer de retrouver ce livre. Merci. Vous n'imaginez pas combien c'est dur de perdre un trésor de famille aussi précieux. Mm-hmm. Mon mari est le vice-conseiller. Alors vous vous êtes fait une réputation. Alcoolique purement de mer, parlez-moi de. Non. Je m'en fous. Continuez comme ça. Urne, d'accord. Bon, on visite un peu chez vous, là. Ouais, c'est très sommaire, hein. C'est très sommaire chez vous, hein. J'ai une maison à Markarth qui est bien plus décorée que ça. Porte ouvrir. Oh, coffre. Personne ne me voit. Écoute. Ça vaut rien, c'est de la merde, ce jeu pensé. Hein ? Quoi ? Hein ? Rien. Ouh ! Ah non, ça, j'aime pas ces trucs. Ouh, bah d'ivoire. Bah faut pas laisser traîner ça. Pas traîner ça, faut pas laisser traîner ça, les enfants. C'est quoi ça ? C'est quoi ? Résultat des recherches d'Adril. Hein ? Ça me donne pas de quête, j'en ai rien à foutre. Réponse à la maison, mais... Ça me donne pas de quête, j'en ai rien à foutre. Ok. J'ai rien volé, hein. Ok, bah j'ai une... Saleté de cendre. J'ai une petite quête à Solstheim même. Retrouver le folio, tuer le dragon qui se trouve... Ah oui. On fera ça une autre fois. Alors, attends quoi ? Attends, c'est quoi ce bordel ? Supprimer. Ah, attends, ouais, je sais pourquoi. Je sais
Bah si. Dans l'épave du Rafale Strident, d'accord, il est où le Rafale Strident? Non, bah t'es gentil, mais moi je veux bien Rafale Strident. Mais il est où? Ah ouais, putain, je suis balèze, hein. Paf! Pas la peine de me prendre en pitié. Je savais manier la pioche mieux que n'importe quel homme dans les mines. J'ai fait des fortunes. Et maintenant, j'ai plus rien. Les désespérés ne méritent-ils pas un peu de compassion? Regardez-moi. Je suis guère plus qu'une mendiante. J'étais mineuse autrefois. Et j'étais plutôt douée pour ce métier. Je gagnais plus en un mois que d'autres en toute une vie. Quand la mine a fermé, ma vie s'est effondrée. Pourquoi t'as pas mis de l'argent de côté, connasse? J'avais rien à faire d'autre, alors. Je me suis mise à boire toutes mes économies au nez. Eh bah voilà. Voilà. Mais même ça, c'est plus possible. Pas possible, qu'est-ce que c'est? Ce maudit Geldis me laisse plus entrer. Il dit que je suis mauvaise pour les affaires. Si je veux dépenser jusqu'à mon dernier sou à me saouler, c'est mon problème. C'est pas le sien, non? Je pourrais lui toucher deux mots. Tac. Vous pouvez toujours essayer. Si vous réussissez à le convaincre de me laisser revenir, je saurais me montrer reconnaissante. Ah ouais, comment? Ok. Vous semblez. Ouais, d'accord. Ok, bon. Ça sera peut-être pas si facile de. Alors, du coup, c'est, bah, ça. Ça, portfolio dans l'épave de la Rafale Stridente. La Rafale Stridente, mais elle est où la Rafale Stridente? T'es bien gentil, mais. Attends, c'est quoi ça? Merde. Ouais. Eh? C'est quoi? C'est un bateau ou c'est. Eh? Et si. Bah attends, on va aller voir ça de plus près. Peut-être c'est... que c'est un bateau. Il peut être têtu comme une mule quand il veut. C'est peut-être un bateau, hein, qui sait. C'est quoi ça? Ah! Qui êtes-vous? Bouge pas! Cornio! Alors? Ils se sont entretués? Ah! Oula! Bah alors, mon grand? Bah alors, mon grand? Hein? Alors? Attends, tu. Ah ouais? Merde! Oh putain, c'est vrai. Oh, ça va faire mal celui-là. Alors, déferlement, c'est ça. Alors, d'accord. On va prendre la petite épée de Gigalag. Et là, on va rigoler, mon brave. Allez, essaye de m'avoir là. Essaye de m'avoir. Voilà. Voilà. Satané. Oh, ils sont rien, eux. Et l'autre qui est mort, là, que j'ai tué, ou qui l'a tué, je sais pas, il est où? Il y en avait un deuxième, on est d'accord? J'en ai les roupettes qui me grattent. C'est lui que je viens de tuer. Et l'autre, il est où? Bon sang, mais il est où? Oh seigneur. Ah mais c'est vrai, faut que j'utilise de la magie moi. Oh putain, je crois que ma souris foire. Enfin c'est pas ma souris, c'est le jeu. Je bouge la souris et il y a un moment de latence des fois. Alors c'est quoi? C'est ça qu'il faut que... C'est quoi cet endroit? Bonjour. C'est ici le... Je crois qu'on a quelqu'un. Ah, mais pourquoi vous êtes... Mais je suis un ami, normalement. Voilà. Oh là là. Tiens.
Tiens. Oh bah oh. Bonjour. Ah bah voilà, la rafale stridente, elle est là. Oula, mais... Est-ce que vous avez des chutes de FPS, vous? Non. Par contre, mon PC... Je sais pas si ça se voit au... Crochet, je prends. Armure. Putain, 1600, par contre... Non, mais j'en ai plein. J'ai plein de trucs à vendre, ça sert à rien de prendre. Canne à pêche 2, d'accord. Une canne à pêche, ça pèse combien? Ça pèse 3. Parce qu'il faudrait que je pêche un petit peu. J'ai jamais essayé. Ah. Bah alors. Et lui, là, quoi? Alors, qui c'est qui me tire dessus? Ah, c'est toi. Attends, j'arrive. Attends. Bouge pas, ça va bien se passer. Ah oui, c'est vrai. Attends, fais voir. Allez, des petites flammes. C'est bien, ça, les petites flammes. Ça fait longtemps. Aïe. Oh, bah, dis donc. Alors, charogne. Il est où? Il est où, le gredin? Il est où, le gredin? Mais avance. Pourquoi... Putain. Charogne. Eh oui, faut que j'améliore mes compétences de... Aïe. Non, on va faire ça comme ça, fais voir. Voilà. Aïe. 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 Allez, Rock, tu vas crever, oui. Ah, j'ai plus rien. Heureusement que j'ai quelques petites potions que j'ai achetées au préalable. Fais voir, c'est quoi ça? La magie augmente de 40 points par 60 secondes. Et pendant combien de temps? Voilà, on va prendre ça. Ah, attends, je suis soigné ou pas? Ah non, je suis pas encore soigné. Destruction. Ah, c'est bon. Je suis soigné. Non. Non. Bon, ouais, décidément. Merde, c'est où? Flamme. Allez. Essaye de m'avoir. Bon, il m'a eu, mais bon. Ah, il va bientôt crever, là. Ouh là là. Mais c'est qu'il fait mal. Le con. Allez, là. Bah, voilà. Eh ben, c'était compliqué. Ouais. Je vais devenir l'homme le plus puissant de bord de ciel avec ma magie. J'avais tous les tués. Qu'est-ce que c'est que cette merde, ah, mon Dieu. Mais pas de trou pour mettre la tête, mais ni pour mettre le corps. Mais c'est de la merde, ah, c'est moche. Et ça fait combien? C'est combien? Armure 65, c'est de la merde. Flèche de fer, je prends ça. Hop. Hop. Attends, ah, on n'a pas fouillé en bas. Hein? Une flèche, c'est toujours bon à prendre. Ça fait une pièce d'or au moins. Il n'y a pas de petites économies. C'est quoi ça? Cœur de pierre, d'accord. Ouais, il n'y a pas de petit coffre. Ah. Oula, par contre celui-là, c'est pas folichon, hein. Pourquoi vous mettez des corps comme ça? C'est extrêmement glauque, hein, comme déco. Bon, c'est sûr que personne viendra vous emmerder, mais bon. Ici, il y a quoi, là? Il n'y a rien. De ce côté, il y a quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a encore des vivants, là? Des survivants? Non, parce que j'ai cramé la gueule à tous vos potes. Alors, peut-être que vous avez peur, vous vous cachez. Alors, une petite bourse, une grosse bourse. Ouais, c'est pas mal, ça. Il y a des pommes. Bah, et donc, ils n'avaient pas grand-chose. C'est quoi, ça? Ouh, masse d'ébonite, 1000. Bah, on va prendre, ça. Ça peut toujours se vendre. Eh, bah, voilà, un petit coffre. Adepte. Non. Non plus. Oui. Ouh, 53 d'or. Bah, et donc. C'est... Non, qu'est-ce que j'ai pris, moi? Je m'en fous de ça. On voit que dalle. Hop. Voilà. Il n'y a pas des livres qui valent un peu. Oh, le petit coffre. Non, putain, qu'est-ce que j'ai pris comme merde encore.
bouilloire, mais tu veux que je... Mais attends, il était là la bouilloire, c'était pas aussi gros que ça. Se foutre de la gueule du monde. Expert, oulala, ça risque d'être compliqué ça. Oh mon dieu. Oh ah, je suis sur un coup là. Ouais, ouais, non. Ah non, non. On recommence. Oh. Eh ben. Ouais, ouais, ouais. Pendentif de l'Empire Oriental, je crois que c'est ça qu'il faut ramener. Ou pas. Non, c'est pas ça. Attends. Ouais. Bah, ma Z. Bah, c'est que ça fait du bruit, la flotte, là. On s'entendrait pas parler. Oula, ça... pourquoi ça rame autant? Ah, attends. Oh, bah voilà. Ah, voilà, le folio de la femme de chambre argonienne. Voilà. Ok. Ça, c'est de la merde. Ça, je prends. Ma Z. Je prends. Ça, 500. Oh, c'est pas mal, 500. Pour deux de poids. Attends, on peut passer de l'autre côté, mais je sais pas par où. Ah, attends, peut-être par là, qui sait. Bah, oui. Bah, alors, oulala. Mauvais état, lui. Piteux état. De ce côté... Oh, on peut respirer. Oh, bah, que dalle. Encore un corps. Ok. Pourquoi je sais pas, on dirait qu'il rame hein, le jeu là. On dirait que... Ouh là là, je te jure. Ok, c'est quoi ça? C'est... La sacoche. Quoi, il y avait une griffe, c'est quoi cette griffe? Ah, serre d'arfreuse, c'est quoi? Un cimetière, d'accord. Ça, je prends. La reine louve, qu'est-ce que ça me fout de la reine louve? Ça, je prends ça. C'est... Par contre, ça rame, oh, c'est chiant, comment ça rame? Bon sang. Allez, on se casse de. Oulala, mais. Ouh là 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 là. Je sais pas ce qui se passe, hein, mais... ça rame sévère sur mon PC. Je sais pas pourquoi, pendant... très longtemps, ça allait très bien. J'ai joué 200 heures, ça allait très bien. Et là, depuis il y a 3-4 streams... Ouais, ça a l'air d'aller là. Bon, j'ai retrouvé votre bouquin là. Bon, j'espère qu'elle va me filer plein de thunes, plein de fraîches. Cherchez quelque chose. Vous êtes. Pardon d'avoir douté de vous, Sério. Vos efforts à Corberon. Vraiment? Vous n'avez pas idée de ce que ça représente pour. En ce qui me concerne, votre bravoure ne fait plus aucun doute. Acceptez ce cadeau en c'est gage quoi de gratitude. C'est quoi le cadeau? Collier de forgeage, c'est quoi cette merde? Adril Arano, le vice-conseiller de Corberock. Je déteste ce titre. Cet idiot va finir par se faire tuer un jour ou l'autre. Ok. Ah merde, elle me disait quelque chose. Vous inquiétez beaucoup pour votre mari? Il court un grave danger. Ah merde. Et pourtant, il continue à prendre tant de risques. Quand je m'endors la nuit, je ne peux qu'espérer qu'il sera là quand je me réveillerai. Cette île n'est pas faite pour nous. Il y a trop de morts ici. Vous devriez peut-être retourner à Morrowind. Je vous promets que si j'arrivais à convaincre Adril de rentrer, je serais dans le premier bateau pour Sombrelus. Malheureusement, Adril et le conseiller Morvain sont de très proches amis et ils ne s'abandonneront jamais. Peu importe mes angoisses.
Vous ne lui avez jamais parlé de ce que vous ressentez ? Je suis la femme du vice-conseiller, et on attend certaines choses de moi. Le plus important, c'est que je me tienne aux côtés d'Adril, quels que soient mes sentiments. Et j'ai l'intention de continuer comme ça jusqu'à ce que nous partions de ce maudit caillou. Ou qu'il meure. D'où venez-vous à l'origine ? Adril et moi vivions à Sombrelus, la capitale de Morrowind. Ah. La maison Redoran a fait beaucoup pour Sombrelus au cours de ces derniers millénaires. Sa grandeur égale même celle de Long Sanglot. Arrête ! Le minarbre dans lequel se réunit le conseil des grandes maisons vaut vraiment le détour. J'aimerais bien voir ça. J'ai sûrement déjà vu mieux. Je n'ai pas vu la ville depuis plus de 50 ans. Bah t'as quel âge ? Même pour un Dunmer, cela semble une éternité. Quoi qu'il en soit, j'espère y retourner bientôt. Mais ça me semble peu probable, vu l'implication de mon mari auprès du conseiller Morvane. Bon voyage. Bon voyage. Ne restez pas là. Je t'emmerde. Bon, bah, on s'était trouvé une petite quête. Rappelez-vous qui commande par ici. Ouais, ta grand-mère. Qu'est-ce que je voulais faire ? Alors, parce que fais voir. En termes de... je suis déjà à 390 sur 445. On va retourner. À bord de ciel. Parce que... faut que je vende ou que je pose certaines choses. Je crois que je vais faire la tournée de toutes les grandes villes pour pouvoir vendre tout ce que j'ai en ma possession, des colliers, des bijoux, il y a les couronnes, il y a les flèches et il y a surtout les pierres précieuses. Je ne suis qu'un simple matelot. Donc voilà, on va faire ça. Les Nordiques ne nous par où que je peux passer moi pour aller à... Oh allez, on va traverser. Attends. Je sais pas s'il y a une... Bah si, il y a une porte normalement. Oh là là, mais ça rame. Compagnie de l'Empire Oriental. Bureau de Brice Bouclier. Normalement, il y a une porte pour retourner à... Ouais. Je ne vous remercierai jamais. Blablabla. C'est quoi cet endroit? Ouh, Mazette, c'est quoi? Ah, mais ouais, bah oui, c'est là. Vendôme. Eh bah voilà. Par contre, ça rame beaucoup. Je sais pas si c'est les graphismes qui sont... Alors, ils sont pas au maximum déjà, mais... Je vais voir si je peux pas les réduire, parce que... Hein, ça rame pas mal. Et ça m'emmerde. Sévèrement. Je suis où, là? Putain, c'est vraiment des coins de Vendôme que je vais jamais. Ah, si, ça me revient. Ah, voilà, c'est là-bas. Ta gueule. C'est une bonne défense, pas vrai? Eh, mais y'en a. Putain, bah, chaque fois que je marche et qu'il y a du monde, ils me parlent tous. C'est chiant. Bah ouais, c'est... Non, mais c'est très chiant. C'est... Voilà. Hein. Bon. Ah ouais, non, mais ça rame. Je sais pas si je vais pas le relancer. Hein. Oh là là, mais c'est quoi? Attention à ce que vous faites. Oh là 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 là, c'est quoi cet enfer? Ah, déjà, le stream d'aujourd'hui, je le sentais pas, mais là. Je vais devoir relancer un autre stream parce que si je quitte Skyrim et que je le relance, ça va faire sauter le live. On va essayer. Hein. Quitter bureau. Oui. On va voir ça. Ah bah voilà. Il y a des... Fais voir. Ça m'a l'air d'aller, pas trop de chute de FPS, enfin si en fait, pas mal en fait. Et ben on va le relancer et on va voir si... Alors déjà, le relancer était bien gentil, mais on va baisser les graphismes. S'il veut bien se lancer, Steam n'a pas pu synchroniser vos fichiers. Bon, jouer. Comment ça n'a pas pu synchroniser? Qu'est-ce qu'il me fait? Il va pas m'ouvrir le... Ah, quand même! Ouh là là. Attends, c'est quoi cette merde, Bazette? Attends,
quitter, voilà. On va... Attends. Ah là 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 là. Jouer. Options. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, c'est en 720p. Anti-crénelage. Ouh. Meilleure performance désactivée. Non, on va mettre FX AA. J'ai jamais compris, moi, tous ces trucs. Autre, qu'est-ce qu'on a ? Haute. Ouais. Qualité des rayons lumineux. On va mettre bas. Qualité d'aplat, je sais pas. Quantité d'aplat, je sais pas ce que c'est. Reflets spatiaux, ouais. Occlusion ambiante spatiale. Occlusion de pluie. Nuance de neige. Lens flare, on va enlever ça. Rendu des cibles en 64 bits. J'en sais fichtrement. Je sais rien du tout ce que c'est. J'arrive plus à parler, bordel. On va voir comme ça ce que ça donne. Et déjà. Si ça le lance sans faire sauter le stream, ce serait un... Attends, d'y voir. Et ben voilà. Ah oui, l'anti-crénelage, ouais, je le vois là. Enfin, il n'y en a pas, quoi. Enfin, il y en a un, mais très faible. Bah, ça a l'air d'être mieux quoi en termes de performance. Bon, graphiquement, ce sera un peu moins bien, mais un poil de fion. T'as, il est déjà 22h45. Qu'est-ce que c'est? J'ai des messages. C'est qui ? Qu'êtes-vous ? Juste des poissons et une clairette s'il en reste. Qu'est-ce que... Hein ? Non ! Attends, ça m'était qu'il y avait un message, mais... par contre, oui, en termes de chargement, si on pouvait aller un peu plus vite, c'est juste un petit détail comme ça. Hein. Ouais. C'est juste un petit détail qui m'emmerde. Bon. Alors, bon, ça a mis un petit peu de temps, mais on y est arrivé. Est-ce que ça rame? Non, ça m'a l'air même d'être plus fluide. Moi, je préfère l'épée. Qu'est-ce que ça me fout? Ouais, ok. Moi, ça a l'air d'aller. À chaque fois que je vous vois, mon sang ne fait qu'un tour. C'est vrai, poulette. Ulfric était un vrai héros pour bord de ciel. Vous admirez vraiment Ulfric? Je vais peut-être les pousser, qui sait. N'achetez pas d'armure au bordel. Déjà du calme, hein. T'es gentil. Et t'as combien? Fais voir. Non, t'as rien qui m'intéresserait. Par contre, moi, j'ai des trucs à te vendre. Arc elfique. Ah, voilà, ça c'est cadeau. Arc elfique. Tu prends, s'il te plaît. Ah oui, canne à pêche, c'est vrai. C'est pour les pêcher. Au pire, je l'achète si ça m'emmerde trop. Ouais, masse d'ébonite. 800. Ah merde. Ah, couillonnerie ça. Combien 810, c'est-à-dire qu'il manque combien? 30, 40, 43. Allez, tiens, c'est cadeau, ça. Allez, tiens, c'est cadeau. T'as fait une bonne affaire, couillon. Alors, la Fiat blanche. J'ai de quoi contenter tout le monde. Eh. Si vous avez la moindre voilà. Question, n'hésitez pas. N'arrive pas à croire qu'Ulfric ne soit plus là. Putain, mais dégage. J'aurais déjà quitté la ville. Salut, l'ami. Salut la croûte. Alors. Voilà. Je ne saurais jamais préparer des potions comme Maître Nurelian. Eh. Pardon. Excusez-moi. Pourquoi faites-vous cela? Pardon. Excusez-moi. Pardon. Hop. Ah, je suis vraiment navré. Voilà.
Voilà. Ah, je suis maladroit en ce moment. J'ai une bonne maîtrise des potions, mais j'ai aussi appris à fabriquer des objets magiques. Ah ouais ? Je connais les... Regardez donc. Ah ouais, potions, ça m'intéresse, fais voir. Les petites potions de magie ou et ou santé. Voilà, 1, 2, 3, 1. C'est tout ? Bah, et donc ? Potions, qu'est-ce que j'ai comme merde à te vendre encore ? La magie se régénère. Avocateur, paf, paf. Force, non, 237. Crochetage, boum. D'agilité, je prends 37. Enfin, je vends plutôt. Il reste 37, 37, 16. Hop, et hop. Allez. Bonne journée. J'ai combien comme. 144 000, c'est pas mal, 144 000, non ? Bon. Est-ce qu'il n'y a pas un magasin ici ? J'en sais rien, mais est-ce qu'il n'y a pas un magasin qui achèterait tu sais, tout et n'importe quoi ? Tu vois ? Non ? Pas ? Bon, bah, c'est pareil, de toute façon. On s'en fout. Allez, on va aller... c'est quoi ? Fort d'hiver. Ouais. Ruine des temples célestes, l'académie de Fort d'hiver. Bon, pff, non, c'est de la merde. On va aller à Solitude. On va faire, donc t'as fait Vendôme, on va faire Solitude, Marquart, Blancherive et Faillaise. Pour essayer de vendre un maximum de trucs, parce que, hein, depuis le temps que je le dis, surtout toutes ces petites pierres là. Et j'ai des centaines de petites pierres là, des rubis, des grenades, des... Ah, en plus il fait jour, il est quelle heure ? 7h du mat ? Bah c'est bien. Bric-à-broc. Ah merde, non, c'est pas ce que je voulais. Ah oui, 7h du mat, bah oui, ça ouvre à 8. Allez, ah, voilà. Bonjour. Bérande m'a dit que... Ouais, rien à foutre de Bérande. Un peu de tout. Un peu de tout. Putain, je prends. Prends. Hein. Bah, c'est bien, comme ça t'as de la fraîche. Tu vas pouvoir m'acheter de la merde. Ah bah voilà, regarde. Ça, tu prends. Ensuite là j'ai... amulette d'Arquet. C'est quelle amulette qu'il faut se mettre autour du cou pour pouvoir épouser une gonzesse ? Peut-être épouser une gonzesse, mais tu disais... Ça fait toujours plaisir, hein. Plaisir d'offrir, je te recevoir, comme on dit. bon, bah, faut bien le vendre. Hein. 239. C'est quoi ça ? Hop. Je sais pas, non. 239 que j'ai. Putain, mais ils sont tous pauvres dans ce bled, pendentif de l'Empire oriental. Oh, ça peut être bien, ça. Je sais pas si on va pas le garder parce que. Peut-être qu'on peut le. Parce qu'il y a l'Empire Oriental à Vendôme, là, un bureau, là, je sais pas quoi. Potion, non. Allez, on va te vendre les petites merdes, là, voilà. Alors, t'as combien ? 239 ? 239, eh bien, voilà, 45. Il reste 45 à la grognasse, là. 45, on peut rien lui vendre à 45, là. 41, eh ben, écoute. Pouf ! Voilà. Vous pouvez revenir au bric-à-brac. Ouais, je connais la musique, ouais, blablabla, blablabla. Ok, bon, ça c'est fait. Ensuite, on va aller à Marquart. Je sais pas si je vais retourner à Solstheim, hein, parce que... Si. Parce que je crois en plus j'ai une petite quête là-bas. Alors, quoi ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Qu'est-ce qui fait ce bruit, là ? Hein ? Quelle heure ? Oh, normalement, c'est encore ouvert. Ouais. Ah. Ah !
Viens là, grognasse. Des babioles, des petites choses. Potions. Ouais, elle a jamais rien, celle-ci. Alors, elle a 750 en armes. Bah non, j'ai tout vendu ce que je voulais tout vendre. En tenue, 750 que tu dis ? Fais voir, qu'est-ce que j'ai qui coûte bien cher ? Ouais. Ah non, ça je garde. Ouais. Collier d'argent et d'améthyste. Bah allez, paf. Et paf, pastèque. Il lui reste 78. Bah écoute. Bah non. Ah, attends. Des diamants, bon sang. Plein de diamants, moi. 70. Oh. Bon, allez. Pour 3. Hein? Lisbeth. Ah, mais Lisbeth, c'est elle. Pour 3 pièces d'or. Je vais lui lâcher un. Paf. Voilà. Revenez vite. Ouais, blablabla. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, pour les flèches. Un de ces jours, je serai orphelin. Un de ces jours, j'en ai rien à foutre. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé avec votre copain? Oh, une torche. Oui. Oh là là. Diantre. Un surin. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il pourrait bien faire avec un surin? Oh, vas-y, ça rame. Que vos lames. Mmh. Toi, tu vas mâcher. Casque. Tu vas mâcher. À peu près tout ce qu'il tu vas m'acheter des flèches. Voilà, ça je garde. Voilà, flèche de fer. Tu vas m'en prendre 1078. S'il te plaît. 1078. Pouf. Eh ben. Voilà. Maintenant. Oh là là, mais je. Oh, regardez-moi tout ça là. Comment voulez-vous vous retrouver là-dedans? Je vais voir si je retrouve Blanche Rive. Ah oui, c'est là, regarde. Hop, Blanche Rive. Allez, paf. J'ai une fois. J'ai une fois. J'ai une fois. Alors, dernièrement, là, je me suis pris. Bon, il est gratos, mais. Juste après ce stream, je vais l'essayer. Pokémon Unite. Tout simplement. Pour voir. En plus, ouais, comme il est gratuit, j'en ai profité. Pour voir ce que ça donne. Et il faut que j'essaye de le streamer. Et je sais pas comment streamer, en fait, sur. Sur la Switch. Pas être là. Vous voulez vous protéger? Toi, ce que tu peux m'acheter, c'est juste des flèches, du coup. Flèches de fer, j'en ai... Oh, mais t'as pas assez d'argent en plus. 1082 que tu dis? Allez, donne-moi tes sous, là. N'oubliez pas d'aller... Ouais, lui aussi va me donner ses sous. J'en ai encore plein des flèches. Avez-vous rencontré mon père? Oh là là, il y a quoi là-haut? Le chambellan du Yard, là? Il y a le chambellan, mais je m'en fous de ta vie. Alors. Avant qu'il monte. Hop. Hein? Quoi? Vous disiez? C'est le chambellan du Yard, tout ça? Bonjour. Bienvenue. Regardez donc. Alors, il y a 1092, celui-là. Alors, flèche de fer, bah tu vas tout prendre. Flèche de verre, bah tu vas tout prendre. Parce que j'en ai rien à foutre. Flèche dorée, pareil. Flèche d'Oemer, et ben voilà. 846. Allez, je te laisse une pièce d'or pour le fun. C'est un plaisir. Parce que t'as une bonne bouille. C'est quoi ça? Hein? Ah, c'est là. Ouh, elle est jolie quand même. Hein? Ouais. On va aller voir l'autre qui achète et qui vend n'importe quoi là. On va continuer à vendre tout ce qu'on a en notre possession, enfin du moins une bonne partie. Ouh là là, mais il y a du baisse de. Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe avec mon jeu là, bon sang? Une baisse de FPS monstrueuse à chaque pas. Ah, c'est peut-être mon disque dur, il commence à être plein. C'est vrai ça, il est plein mon disque dur. Tout est avant. Bon. Un peu de tout. Un peu de tout.
Ah, les potions, ça je prends, et après le reste, j'en ai rien à foutre. Maintenant, tu vas m'acheter ça, tu me les achètes en masse. Combien, 1664? Ouais, voilà, les 11. Il lui reste 40. Qu'est-ce que j'ai, 40? Bah, ça va être des flèches, hein, déjà, des flèches Dwemer. 40, on va se calmer là, hop. 3. Bah voilà, allez. Revenez donc. Revenez donc. J'en ai marre d'entendre toujours ces mêmes phrases, tout le temps, c'est catastrophique, hein. J'ai quelque chose pour à peu près tout le monde ici. Faites-moi signe si vous avez... Que voulez-vous... Ah, ça me gratte. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à vendre? Jetez un œil. Ah, les potions, qu'est-ce que t'as comme potion de merde, toi? Dis-moi tout. Allez. Voilà, ça je prends. Je prends. Ok. Donc, maintenant, potion. Ah bah oui, elle achète que des potions. Poison de magie mortelle. J'en ai rien à foutre. Attends, ponctionne la magie de la cible de 130 points. Oh, mon Dieu. Voilà. Ça, pareil. Ça, je vais garder. Qu'est-ce qu'on a comme petite merde, là? Des petites fioles de mes couilles, là. Voilà, ça, c'est... 53. 16. Hop. 37. Qu'est-ce que j'ai, 37? Tu vas me le dire, ça? Non. Ok. Bon, bah, c'est bien. On s'en sort plutôt bien, là. J'en étais où? Je suis à Blancherie. Il faut que j'aille à Fayez. Harwa. Ouais. C'est notre compagnie adorée. Eh ben, je me sens beaucoup mieux. Procureuse Kuma. Et c'est grâce à vous. Vous aimez travailler à la pêcherie. À la pêcherie de Fayez. Qu'est-ce que le Skouma? Vous avez fait preuve. Quatre, cinq, six, sept, huit. Bonté, je vous remercie. C'est censé être le jour, là? Oh, mon Dieu. C'est toujours un plaisir de rencontrer d'autres Nordiques. Vous battez contre l'Empire, on imagine. Ouais, j'ai toutes mes VOD. Je dois avoir une dizaine de VOD sur mon disque dur. Qui pèse chacun ou chacune quelques gigas. Ah bah oui, faut pas laisser traîner ça comme ça. Il est où le vendeur? Le vendeur? Ah bah t'es là toi. J'ai toutes sortes de babioles, des petites choses. Ouais. Alors, ça je prends. Oh bah bizarrement, pourquoi vous avez pas de potion de santé? Ah, pardon, autant pour moi, vous en aviez. Arme, canne à pêche. Non, là j'ai vendu tout ce que je voulais vendre. Tenue, alors il a 837, fais voir. Ça, tu prends ça, 432. Ouais. Ah, ça, on s'en fout. 432, j'ai pas un truc qui s'en rapproche. Ouais. 405. J'ai combien? 482, 93. 423. Oh, allez, hein, on va pas s'emmerder. Paf, voilà. Ensuite, les petites bricoles comme ça. Non, il va pas pouvoir m'en acheter. Donc, ce sera ça. Paf. Allez, 39. Voilà. Bon, allez, bien. Ciao. Oh, le... Toi. Vous êtes là pour admirer Bali... Qu'est-ce qui vous amène chez Balimund aujourd'hui? Votre travail, là. Allez.
Épée. Le mec, casque. Il parle de lui à la troisième personne. S'il te plaît, là, tu te calmes, là. Flèche Dwemer, 1164, 1164. Bah, c'est nickel, ça. Ouh, je suis déjà à 152 000, c'est bien, ça. Si vous avez besoin... Ok, on a fait la tournée de tous les grands... comment ça s'appelle les grandes villes. Non, tu me connais pas. De toutes les grandes villes. Du coup, on va retourner à Blancherive pour déposer le reste de mes affaires. Déposer un maximum de choses. Et je vais voir les quêtes que j'ai. Je crois que j'avais encore une quête à Solstheim, je crois. Et on va voir. On va voir si on fait pas une petite quête à Solstheim. Par contre, le jeu rame. Et ouais, ça m'emmerde. Ça m'emmerde fortement. Camarade de Beuvry. Eh, t'es gars. J'ai rien fait. Bah, oh, ça va ? Attends. Je vais voir un truc. Je vais voir un truc sur mon PC. Je fais un retour Windows. S'il le veut bien. Voilà, alors je vais ouvrir. Je vais voir combien de. Comment ça s'appelle ? Combien de places il me reste sur mon disque dur. Parce que je pense que il me reste pas grand chose. Est-ce que ça veut bien s'ouvrir à un fichier quelconque ? Voilà. Ah bah il y en a deux qui s'ouvrent du coup. PC. Effectivement, il me reste moins de 200 gigas. Bon, après, c'est pas non plus. Moins de 200 gigas sur 1 tera, c'est pas non plus la fin du monde, mais merde! Oh putain, je me suis mal démerdé. C'est pas non plus la fin du monde, mais. D'accord, et. Je sais pas pourquoi il rame autant en fait le jeu. Je sais pas pourquoi. J'y ai peut-être trop joué. Alors, qu'est-ce qu'on va poser ? Canapé, je vais garder parce que j'aimerais bien tenter un peu de pêche. Voir ce que ça donne. Du coup, toutes ces petites merdes, ça, bah, je peux pas. Alors, Namira, bah, attends, c'est quoi ? La vigueur 50 points, 100... Ah, ça peut être pas mal. La vigueur se régénère, hop. Rien à cirer. Bac de tout ça, rien à cirer. Ça, allez, tout ça, là. Crochetage, on s'en fout. Armure améliorée, on s'en fout. Potion, on s'en fout. Les arcs infligent, ça sert à rien. Mine de rien, ça fait un peu de place. C'est pas grand-chose comme place. Ça, je vais garder. Et du coup, toutes les petites merdes comme ça, on va poser. Les gemmes spirituelles, on les garde parce qu'on en a toujours besoin. Ça, on pose. Ça aussi. Les griffes, on va les garder. Ça, on garde aussi. Ah, c'est dommage, on peut pas les poser. Parce que j'en ai 15. Ouais, ça fait 7,5 en fait de poids. Ça, je peux poser ça. Ah merde, attends. Pierre de Varla. Non, on va les récupérer ça parce qu'il y a des âmes dedans. Oh là 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 là, c'est où ? C'est dans quoi ? Pierre de Varla. Ouais, j'avais une canne à pêche aussi, ici. Pierre de Varla. Ah, ça doit être dans le coin. Non. Attends. Ah, pierre de Varla imparfaite, elles sont vides. Est-ce que j'ai un truc pour récupérer les âmes ? Non, mais je vais quand même les garder. Restaure entièrement la magie ? Ah, je l'ai vendue ça, j'en avais une, elle est... Oh, attends, d'ivoire, c'est bon à savoir ça. Donc, on en était là. Donc ça, je garde. Les rubis, je pose. Rubis parfait, je pose. Saphir, j'en ai 39. 4 x 4, 16. Ça veut dire que si je les vends toutes, je peux me faire 16 000 ?
Ah oui, quand même. Ah bon, Dieu. Non, bon, on va les poser. Déjà, t'es. Voilà. Ah voilà, ça fait de la place, là. Bah voilà. Qu'est-ce que j'avais ici? Persuadé, j'avais dit, je sais. Ah oui, c'était la gueusesse. La gueusesse à Solstheim, là, qui voulait picoler, je sais pas quoi. Non, tu sais quoi, on va tuer le dragon. Trouver 10 peaux d'ours. Ah oui, c'est vrai, ça. On va laisser ça activer aussi. On va aller tuer le dragon. Avec la magie, bien sûr. Et je sais pas si on va pas se balader un petit peu aussi dans... Il est où? Il est là? En plus, j'y suis déjà allé. Je sais pas si on va pas se balader dans bord de ciel pour découvrir des endroits, des lieux. Et activer des quêtes, pourquoi pas? Parce que les quêtes t'emmènent à des endroits. Et quand... si tu trouves un truc ou tu fais un truc, des fois, ça active la quête. Ah, affiché sur la carte. Oh, c'est maintenant que je vois ça. C'est-à-dire que quoi, je fais... Genre, je fais tac, je fais... Pouf. Hein? Ah non, c'est virgule. Hein? Je comprends rien. C'est quoi, c'est ça? Ici, je... Ah, d'accord. Ok, ok, non, bah ouais. Qu'est-ce que je voulais voir? Merde. Bah, je sais plus. Ah, j'ai les flammes. Ok. Est-ce que je peux attendre? Oui, parce que j'aime pas la nuit. On voit que dalle la nuit. Ah là, 6h, c'est bien 6h. Il est où? Je te vois. Petit, 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 petit. Oh, en plus, on peut s'abriter là-dedans, c'est bien ça. Voilà, il s'est envolé. Alors, ah non, ça va pas jusqu'à lui, et je crois qu'on va prendre des petits stalactites. Bah décidément ça... Bah quoi, hein? Sérieusement, il y en a deux? Mais d'où il y en a deux? Mais d'où il y en a deux? Mais tu te fous de ma gueule? Par contre, les stalactites, je sais pas si on va les garder parce que... tiens, on va faire ça. Parce que ça utilise beaucoup de magie. Hein? Fais voir un petit peu, un petit truc là. On va essayer ça, là. J'aime... C'est quoi? Ah oui, les... non, c'est une pierre de... Comment que ça s'appelle, ce truc? Pierre de Varla. De Velkind. Ah, d'accord. Ok. Alors, putain, mais il y en a deux. Ils se tapent entre eux ou pas? Attends, on va descendre. Ils sont en train de taper mon... Non? Bah alors? Merde. C'était lui qu'il fallait que je bute? Il est où? Il est où ce con? Pourquoi tu vas là-bas? Pff, ta fiole. Allez. Ça me gratte l'oreille, bon sang. Mais il y en a deux, mais ils se foutent de ma gueule. Et pourquoi pas un troisième? Il est où le troisième, là? Alors. Laisse Crindom tranquille. Non, ah, attends, il y a un truc qui pourrait être sympa à faire. Oh, bah c'est ça. Voilà. Allez. Bah, ils sont où, ces deux cons? Putain, mais à chaque... Ah! Oh, c'est que ça lui fait mal un petit peu. Merde. Ok, alors, j'ai l'impression que... les éclairs, ça utilise beaucoup de magie. Non. 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 Merci. Vous n'avez pas assez de magie. Putain, ils vont le crever, hein, le... Mon cheval. Potion.
Vous apparaissez sous la forme d'un spectre pendant 30 secondes. Ah bon. Alors, les corneaux. Oh, je t'emmerde. Hein. On va plutôt prendre les flammes, hein, parce que ça utilise moins de magie. Alors. Moi aussi, je sais faire. Bah oui, crindon, mais aussi, pourquoi tu me suis de partout? Ah, il est là-bas. Il est là-bas. Le gredin. Le gredin. Reste là. Chétanerie. Oula. Ah! Il me faut la peau d'ours. Merci. Laisse-moi cheval tranquille. Aïe. Aïe. Je comprends rien. Je comprends rien. C'est quoi ça? C'est qui lui? Mais t'es qui toi? T'es qui toi? Ah mais c'est le dragon qui l'a... Ah bon, bon bah c'est le dragon. Je crois que c'est le dragon qui l'a invoqué. Bah pourquoi pas, écoute. 150, c'est pas mal ça. Légère, 1, 2, voilà. Alors, ensuite, c'est mon pote alors du coup. Ah, il y en a un qui est mort. Ah, d'accord. Bah écoute, ça fait toujours plaisir. Ça je prends. Et donc, celui que je dois tuer finalement, c'est lui. Viens là, harwa harwa. Quoi, je crame? Ah oui. Ah, c'est ballot. Oui, bah arrête de cramer aussi. Tu vas où, toi? Ah putain, ouais, faut que je fasse gaffe si je tombe d'une falaise et que je me crève. Je me brise la nuque. Ça risque d'être ballot, ça. Attends. Il est où? Il est là. Non, mais sinon, tu veux pas venir, tu. Tu descends par terre, voilà, gentiment. Et moi je te... Voilà, et moi je te crame. Tranquillement. Non. Putain, je suis où, moi? Mais dans quel bazar je me suis fourré, moi? Il est où, ce con? Et arrête de te déplacer comme ça, loin. Ah, mais c'est vrai, il y a... Et bah, décidément, bah, mon Dieu. Bon, bah, je vais attendre, hein. Moi j'attends dans mon coin. Durneville, là tu vas faire ton travail, tu vas le buter l'autre. Voilà, allez. C'est quoi ça? Mais pourquoi il tombe lui? Il sort d'où? Il l'a invoqué dans les airs, mais t'es con? Pourquoi tu l'as invoqué dans les airs? Regarde! Ah non, je crois que c'était encore le squelette. Merde. Alors. Ah bah voilà! Attends, t'es pas en train de me dire que t'es en train d'attaquer les biches. Les biches, là? Alors? Aïe. Moi aussi, je sais faire. Mais pourquoi tu bouges pas, toi? Bah tiens, regarde. T'avais qu'à bouger. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon. Il est où? Bonjour. Ah bah, on est tranquille, là. Tous les deux. Gentiment. Voilà, destruction. Il crachait sur qui là? Il crachait sur qui? Ah voilà. T'es fatigué? Trop fatigué pour voler, c'est ça? Oh bah j'ai cramé mon cheval. Mais en même temps, mais dégage cheval. Crindon de merde. Non mais des fois, attends, je te jure. 75. Allez. Allez, crève. Voilà. Bah décidément, toucher la prime auprès de Heming Ronce Noir. Ça je prends. Du coup, il y avait quoi là-haut? Merde.
Et bien sûr, la... Comment ça s'appelle, la... L'âme, non. L'âme, non. Je la récupère pas. Pas pour tout de suite, non. Je sais pas ce qu'ils ont, les animaux, mais j'ai l'impression qu'ils sont buggés. Oh, bah tu vois, regarde. Là-bas, il y a un truc à découvrir. On récupérera la prime plus tard. Et tu vois, il y a plein de petits lieux comme ça à découvrir. On sait pas ce qu'il y a. Peut-être qu'on peut trouver des quêtes fantastiques qui dureront des heures. On sait pas. Ça, c'est une maison, je crois. Voilà, bon, ça sert à rien ce que j'ai fait, mais bon. C'est pour améliorer mes compétences de destruction. F5. Qu'est-ce que... C'est encore loin. Ah bah c'est là. C'est quoi cette petite cabane de Froki? T'as rien qu'avec le blaze. T'as pas trop... T'as, mais qui vient habiter dans ce genre de coin, bon sang, regarde ça. Bon, t'as une belle vue, hein. Mais bon, la cabane... Cabane de Froki. Alors. Ok. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est ça? Bah, oulala! Encore une vermine qui nous arrive de la ville. S'il pleut. Comment vous faites quand il pleut? De vos soi-disant divins. Pas moi, je ne crois pas aux divins. C'est quoi le souci avec... Parfait. On est en bord de ciel ici et il est d'usage d'honorer les vieilles traditions. Ces étrangers ne respectent même pas leur propre dieu. Encore moins Kin et ses épreuves sacrées. Ah oui. Quelles sont les épreuves sacrées? C'est une vieille tradition nordique. Une épreuve qui prouve votre valeur aux yeux de Kin. Montrez que vous avez l'esprit du chasseur et pas celui d'un simple boucher. Kin nous apprend à respecter les bêtes et... Elle bénit le chasseur qui affronte ses champions. Ceux qui parviennent à surmonter ces épreuves sont considérés comme de vrais chasseurs nordiques. Vous vous pensez capable d'endurer la bénédiction de Kin? Oui. C'est une tradition. Dans Oblivion. Que je serais ravi de transmettre. Dans Oblivion, je l'ai fait. Oui, dites-moi ce que je dois faire. Vous devez vaincre les gardiens, des créatures que Kin a bénies. Je vous pars du symbole du loup, du crabe et du ragnar. Cela obligera le gardien à apparaître lorsque vous arriverez à son antre. Voici où vous devez vous rendre. Ouais. Parlez-moi de Kin. Tous ces flagorneurs du temple la nomment Kinaret. Ce n'est qu'une pâle imitation de la vérité, comme tous les divins du temple. Kin, loué soit la femme guerrière. C'est la veuve de Shor. Tous les vrais chasseurs nordiques la tiennent pour sacrée. Elle est mère des hommes et des bêtes sauvages, et son voile est tempête. Aming est votre fils? C'est mon petit-fils. Un petit gars bien costaud. Ses parents étaient à Elgen quand... Enfin, vous savez... Ah. Ça vous fait plaisir d'avoir Aming près de vous? Tous ces... Non! Kin! Louis... Je n'ai pas franchement été un père exemplaire. Alors je vois sa présence comme une sorte de deuxième chance. C'est un bon petit gars. Vos assiettes sont hantées, monsieur. Elles bougent toutes seules. Que faut-il que je fasse? Revenez ici quand vous aurez vaincu les trois gardiens. Le loup, le crabe et le ragnar. Alors, un ragnar gardien, sans plaisanter? Ne vous moquez pas. Même les pires des bêtes sauvages sont capables de tuer les faibles et les arrogants. Survivez déjà à ceci. Nous essaierons des ennemis plus puissants ensuite. Ah. Ok. Très bien. J'ai 11 ans et je suis sûr que je suis plus fort que vous. Est-ce que tu veux vraiment essayer? Non, parce que là, j'ai juste un truc à faire et... Tu veux voir? J'ai 11 ans et je suis sûr que je suis plus fort que vous. Je peux pas le... Bah oui, c'est ça la magie, mon grand. Et lui, il est où? J'aimerais bien être invisible. Oh, vous faites de la magie?
Je veux dire, c'est un sort que vous venez de lancer, c'est ça? Oui. J'aimerais bien être invisible. Vous savez faire ça? Rendre invisible? J'ai bien peur de ne pas pouvoir faire ça. D'accord, petit pouf, invisible. D'accord, mais il faut quelques instants pour lancer le sort sur vous. Vraiment? Je veux dire, je suis encore visible, non? Crois-moi, tu es invisible. Évidemment que vous n'êtes pas invisible. Allez, donc... Okay. Chouette, alors. Je vais enfin pouvoir m'amuser un peu ici. Au revoir. D'accord. C'est un coup, il va aller se mettre en danger je ne sais où. Et il va mourir. Écoute, ça lui fera les pieds. L'épreuve de Keen... ah oui, il y en a trois. Du coup, faut les tuer ou comment ça se passe? Et ils sont loin, est-ce qu'ils sont loin? Ils sont très loin. Ah oui. C'est le manoir du lac, c'est à côté de chez moi ça. Comment ça? Ah oui, c'est vrai. Voilà. J'ai atterri. Je peux y aller. Oui. Quelle heure qu'il est là? Ah, 23h25. C'est quoi ça? Ah, mais oulala! La fumée, vous avez vu les pierres derrière? Ce que ça fait, c'est très moche. Ouais, bon. Donc, il est où? Quoi, qu'est-ce que tu veux toi? Oh putain, à chaque fois il se fout dans... Voilà, crève Sharon. Allez, brûle. Quoi? Bah décidément. Mais oh là là. Quoi? Oh là là. Oula, mais... Putain, les flammes, elles partaient vers le... Ok, il m'emmerde celui-là, tu m'emmerdes, j'aime pas les géants. Vas-y. Voilà. Putain. Ok. Par contre, tu me suis pas, hein, le cheval. J'en ai rien à foutre de toi. Alors, c'est qui que je dois buter? En fait, je crois qu'il faut pas que je le bute, parce que c'est Keen, il faut respecter. Et c'est le dieu de la nature, des animaux. Et je crois qu'il faut respecter les animaux, il faut rien faire, en fait. Donc, au pire, j'ai ma hache, mon épée, je me protège comme ça, mais on verra. Oui, parce que dans Oblivion, il y avait ça aussi. Ah, c'est ça? Un ours! Ah, c'est, fallait peut-être pas que je le bute, je sais pas. Peau d'ours, voilà. Ça m'en fait 2 sur 10. Je crois que... Il me semble qu'il faut pas que je le bute. Ouais. Ouais. Bon, faut que je le bute ou je sais pas. Il m'a pas l'air de vouloir partir, hein. Bon. Terminé, pâté. Oh, bah si, en fait. D'accord. Ensuite, on a... attends. Néant, c'est quoi, là? Pâté, le gardien vassar. Oula, un vassar. Bah écoute, on va voir ça. Hein.
Bah si, en fait, faut buter les fantômes. Parce que dans Oblivion, il y avait un ours qui arrivait et en fait, fallait rien faire. Oh putain, à chaque fois, il me suit partout, ça m'emmerde, ça. Eh ? Bah attends, mais il est gigantesque. Mon Dieu. Maman, j'ai peur. Alors, salut mon pote. Ah, effectivement, oui, il est gigantesque. Bon, c'était plutôt rapide. Vide. Ok, et le dernier, il est où? Il est de ce côté. Ah. Et ici, c'est le gardien Ragnar. C'est un coup, il est gigantesque. Il fait 3 mètres de haut. Sur 6 mètres de long. Pour ça, dans ce jeu, vous avez vu la petite maison que j'ai découvert? C'est quoi ça? Vous êtes qui, vous? Des Khajiits? Des Khajiits à des marchandises. Si vous avez de l'argent, je ne me mêle pas de ça. Quoi? Quoi? Oh, bah décidément! Oh, oh, oh! Retournez voir Oh! Mazette, un coffre. Non, c'est de l'autre côté. Voilà. Ouais, armure de fer. Bon, alors ça, c'est de la merde, ça. Fais voir, il a laissé quoi, lui? Que de Ragnar. Qu'est-ce que... C'est quoi, ça? Piédestal? Hein? Eh oui, et en fait, bah, en gros, c'est... Oui. C'est en se baladant... Merde, il est où? Je le vois pas. Ah, il est là. C'est en se baladant qu'on découvre des endroits, enfin des petites choses comme ça dans le jeu, et il nous fait des quêtes. Ça nous fait des petites quêtes de merde. Et voilà, c'est tout. Oula, mais la bande son, elle a du mal. Vous êtes... Oui. Il semble que vous ayez du cran, en fin de compte. Ouais. Bien. Il est temps de s'attaquer à un vrai défi. Ah ouais? Je vous pars du symbole de l'ours, du smilodon et du mammouth. Soyez sur vos gardes. Ce sont des créatures puissantes. Absolument. Voici où vous devez vous rendre. Tous ces flatines. Ah. Louez. Les esprits gardiens de l'ours, du mammouth et du smilodon vous attendent. Ouais. Si vous parvenez à les vaincre, revenez ici. Voici où vous devez vous rendre. D'accord, bon, bah allez, bah c'est parti, non? Voici où vous devez vous rendre. Ok, encore. Oh, des aurores boréales. Des aurores boréales. Ok, bon, bah, il y a ici, mausolée du crépuscule. Sanctuaire de la confrérie noire, d'accord. Attends, non. Battez le gardien ours. Bah, c'est un coup, il va faire 3 mètres de haut, le truc. Ah, ce serait marrant, ça. Alors, il est où? Il est où l'ours? Ours! Ah, il est tout à côté. Ours! Sûrement un passage dans le coin là. Faut monter. C'est quoi ce bordel là? Ah, allez. Non? Bon.
Oh, je crois que je l'entends au loin. Pété, pété, pété. J'ai quoi comme déferlement, c'est pas mal. Est-ce que ça marche sur un fantôme, déferlement? Hein? Sur un fantôme? Ah oui, ça marche. Oh, il tombe. Il meurt? Il tombe, il meurt? C'est bien. Voilà. Bon, bah, c'était pas compliqué. Peau d'ours des neiges? En même temps, faut que j'en prenne un max. Ok, ensuite, bon, bah, c'était facile ça. Je me demande si on peut aller genre par là. C'est un coup, hein. C'est un coup, il y a une vallée, mais il faut trouver l'endroit par où passer. Alors, ensuite, on va aller à la ferme LRE. J'imagine que ça doit être le mammouth, là, dans les grandes plaines, comme ça, là. Sûrement le mammouth. Je suis pas en forme aujourd'hui, hein. Je vous avouerai que je suis un peu claqué. Ces fêtes de fin d'année m'ont éreinté. Entre la bouffe, je dors très mal. Le boulot. Voilà, quoi. Apparaît. Ouais. Ouais, sinon, ouais, bon, allez. Ah, c'est un stream de piètre qualité. Ah bah voilà. Alors. Alors, F5. C'est où, c'est tout droit là? Ouais. Je sais pas si c'est le mammouth ou le smilodon. On va voir. Bon. Oh putain, c'est chiant ça quand il se bloque comme ça. Allez, harwa, harwa. Alors, il est où ce con? C'est quoi? C'est un smilodon, c'est quoi? Ou c'est le mammouth, je crois. Está los mamutes. Cram Sharon. Aïe. Allez, brûle. Et va en enfer. Aïe. Bah dis donc. Ok, potion. Entièrement. Allez, pouf. Oh bah c'est que ça fait mal ça. Bah alors, mon grain. Quoi, il est mort? Ah non. Oulala, dis donc. Voilà. Faut que je me... Hein? Faut que je me soigne un petit peu, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est pas mal comme ça, c'est un petit pour le fun. Bah, voilà, trompe de mammouth, j'en ai rien à cirer. Y a pas quelque chose à apprendre ici, là? Non? Un coffre, une connerie comme ça, forcément, y a un coffre dans le coin. C'est moi qui ai un coffre. Et papillon, noctuel, qu'est-ce que... Ah,
J'ai l'impression que la map ne veut pas se charger. Hein, non, non. Elle est fatiguée, la map. Elle est en week-end. Hein. Et hop, c'est bon, j'ai la gueule de bois. Lundi, je me chargerai. Bon, bah, il n'y a pas de coffre. Et moi, ça, si c'est pas beau. Non, c'est pas beau. Alors, F5. Et ben, on va aller au dernier point. Le dernier point qui se trouve ici. D'accord. Oh, un endroit où je ne suis jamais allé. Et ben voilà, on va découvrir un nouvel endroit. Et oui, les corneaux, et oui. Mais taisez-vous. Alors, pop, éclair enflammé, pouf, il est quelle heure? 5h du matin, c'est bien. Alors, ouais, il y a une fonderie, c'est quoi ça? Ok, oh, il y a un tertre là? Non, c'est pas un tertre, mais c'est... Bah tu vois, c'est un endroit que j'ai pas découvert non plus là. Donc du coup, là, c'est le smilodon, j'imagine. Tu vois, là, ça. Quoi? Quelqu'un veut m'attaquer? Au recoin des voyageurs. Qu'est-ce qui se passe, là? Quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui se passe? Vous auriez dû suivre votre carte, camarade. Ah! Attends, bouge pas. Bouge pas, ça va bien se passer. Ah oui, quand même. D'accord, ouais. Ouais, non, ouais. Tu fais un peu mal. Je t'avouerai que tu fais un peu mal. Alors, bouge pas. Attends. On se soigne gentiment. Et ensuite, la petite torche et... la petite hache. Alors, il est où? Ah, il est là, ce con. Ah oui. Chétanerie. Tac, arc. Ça, je prends, même si c'est de la merde. Ouh, mais qu'est-ce que c'est? Bon, alors c'est lui qui t'a tué? Oh, bon, alors, il est pas content. De deux flèches dans le dos, bah ça c'est signé ça. C'est quoi ça? Venin, rana cirée, la sacoche. Ça peut pas améliorer mes performances? Non, toujours pas. Oula. Ah d'accord. Ça je prends. 25, d'accord. Bon. Bon, et si on allait, voir ce... Non, F5, voilà. Ce smilodon, il est où ce smilodon? Smilodon. 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 Attention. Parkour. Non, c'est bon, il est pas là. C'est ça? Je le savais! Ah bah tu fuis maintenant? Ah t'es sur le point de mourir? Bon, il m'a rien demandé mais bon. J'ai pas envie. Alors, le smiloton, il est en bas? Non. Il est où? Ah bah si, il est en bas. Oh fillèche. Faut que je descende? Mais je passe par où, moi? Non, mais sérieusement, les gars, faut vraiment que je fasse ça? F5. Même si je... Oh putain, je sauvegarde, mais toutes les 30 secondes, limite. Je peux pas descendre, là. Oh là là, il y a un trajet à faire. Pas arrivé. Oh là là. Mais moi, je peux passer par où, bon sang? Y a pas moyen que je passe par là, là? Des petites... Voilà, des petites... Hein? Voilà. Oh là là. Ah, mais c'est un festin. Mais c'est quoi, ça? Eh, c'est quoi? C'est un requin? C'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Dis-moi, y'a quoi là-dedans? Bah voilà!
Ça s'en fout, ça en prend. C'est quoi? Ça augmente pas mes compétences, j'en ai rien à foutre. Ça c'est pas méchant ça, d'accord? Non, vous êtes pas méchant. Ah bah si, ils vont m'attaquer, ah putain. Heureusement qu'ils sont lents, hein. Bon. Bon, il est où le smiloton de... Hein? De tous les diables. Il est là. Oh là là là. Oh les loups là, c'est bon là. Vous êtes si faibles. Oh putain, en plus y'a les merdes là. Ah bah... Bah c'est bien. Ah bah bête hein. Ah bah il y a mon... Bah le stream et le jeu qui a... Qui a complètement planté, frisé, paf. Le son aussi. Alors, fais voir, c'est à quoi là-dedans. Peau de smilodon, un œil de smilodon, j'en ai rien à cirer. Vous me faites chier, partez, rentrez. Rentrez chez vous. Et il n'y a pas un petit... Eh ben non. Oh là là, regardez-moi ça, comment c'est beau. La lumière à travers la glace. Ils auraient dû faire un truc comme ça. Oh là là. Genre mettre de la lumière à travers la glace, ça aurait été... Ah, en même temps, ça peut être de la roche aussi. Minerai, filon de minerai, filon de fer. C'est quoi ce bordel? Faut retourner voir Jackie Chan, là. Il est où? Ah, il s'est là. Oui, il y a des ennemis à proximité, blablabla. Je te préviens, je traverse pas tout bord de ciel. Hein. C'est bon, là, je peux me téléporter ou bien? Moi, c'est ce genre de petite quête que j'aime bien, tu vois. Parce que ça nous emmène toujours dans des lieux où on peut découvrir toujours des petits coffres, des petites choses. Et c'est, ce jeu est café de petits secrets. Partout. Partout. Ah. Mais c'est qui, lui? Mais je peux savoir, qu'est-ce que vous faites là? En plus, mort. Pourquoi il est là? Mais putain, mais... Est-ce que je peux le déplacer? Tiens, comme avec les... Oh, c'est quoi ça? Oh, pas ma Z, hein, diadème du savant. Mais je sais pas pourquoi il y a un... Je crois que le jeu est cassé. Bah alors? Tu vas me... Le jeu est cassé, c'est pas possible. Vous entendez le bruit du... le son du vent? Il se lance, il s'arrête, il se lance, il s'arrête. Il s'est relancé. Ta mazette, le diadème, il était juste là. Comme ça, posé, pouf. Merde. C'est quoi ça? Eh ben voilà, ça me fera un deuxième lapin que j'ai tué. Parce que j'ai vu dans les statistiques, j'avais un lapin me massacrer. Et bah du coup, ça m'en fera un deuxième. T'as par contre, mais oh, faut faire quelque chose pour le toit là. Et... Ah, les murs, ça va. Par contre, le toit... Ouais, c'est, putain, comment c'est moche ça, ce genre de déco. Même ça, hein. Ces trucs là avec des têtes comme ça, j'ai jamais compris le délire moi. Un jour, j'irai tuer un dragon tout seul. Ouais, car. Je peux vous aider? J'ai... Allez. Qui ah. N'est fier de vous? Bah oui. Il ne reste plus qu'un défi. Vaincre le champion troll. Oh. Voici où vous devez vous rendre. Un troll. Un troll. Mmh. Putain, on dirait qu'il a des glaires, on dirait qu'il fume 3 paquets par jour. Alors, lila lila loum.
C'est où, c'est là. D'accord, pierre de rituel. Eh ben, allons-y. El Toros. Allez, je suis bilingue, comme je vous l'ai dit. C'était le troll. Mais vous fumez. Non, comment c'était des... Mais vous fumez, monsieur. Allez, hein. Bonjour. Ah, bah oui, bah aussi, faut prévenir, les gars. S'il y a des maîtres nécromanciens dans le coin, j'aurais préféré le savoir. Allez, l'épée de Gigalag. Oh là 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 là, mazette, arrête. Allez, allez, voilà. Allez, allez, on a... j'arrive. Attends, bouge pas. Ah bah ça a rien fait. Ah merde, j'ai utilisé déferlement pour rien. Oh. Pourquoi elle apparaît pas là? Ah, les sons, c'est en décalé. Les sons, ils sont en décalé, bordel. Bah, pitié. Mais non, pourquoi tu te soignes? Alors, on fuit? Alors, on fuit? Tarlouz. Bon, ok, j'ai... Attends, mazette, j'ai compris. Non, si, balancer du feu, donc, un petit... Dans le fion. Il est où? Eh, tu laisses mon cheval tranquille. Et arrête de te soigner, hein. C'est pas du jeu. Oh, bah attends, maintenant qu'il est là, qu'il est proche de moi, un petit coup d'épée de Gigalag en pleine poire. Et on n'en parle plus. Attends, bouge pas. Non, putain, merde. Bah oui, pitié. Il est où? Il est où ce con? Oh, oh, oh. Il est où? Il est où? Ah, il est là. Ah bah voilà, bah dis donc, est-ce que c'était... Hein? Est-ce que c'était compliqué? Dague de verre. Ouh là là, ça a du mal à apparaître. Ouh, ça, je prends ma zette. Alors, du coup, où est-ce que je dois me rendre? Avec tout ça... Hein? Bon. Flamme. Ah, qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Décidément. Hop, range-moi ça. Oh, la lune. Enfin, la lune. Putain, les... Oh, le jeu, il est cassé, hein. Ah, je vous jure, le jeu, il est... Il a du mal. Alors, c'était par là. Ah oui, c'était le troll. Est-ce que je peux attendre? Ouais, parce que, hein, la nuit, on voit rien, bien sûr. Je connais la musique. C'est quoi, ça? C'est marqué quoi? C'est quoi? Pierre de rituel, c'est quoi? Une fois par jour, se placer sous le signe du rituel peut réanimer des cadavres à proximité pour qu'ils se battent à leur place. Pff, rien à foutre. Hein? Tas de cendres, et bah alors... Ça, je prends ça, ma zette. Ah, il y en a un autre. D'accord. Ça, je prends. Alors, il est où ce con, là? Il est où ce con de troll? Je vois très bien que le jeu, il a du mal à charger les maps. Hein. T'as vu ici, là? Bon. On va faire comme si on n'avait rien vu. Ah, mais faut que je rentre dans une sorte de grotte. C'est quoi, ça? Un filon de minerai. Ah, j'y suis. Ah, c'est là. Ah. Bon. Putain, il y avait une grotte ici, alors je suis passé des centaines de fois, j'ai passé des heures ici, j'ai passé des heures à passer par ce chemin juste en dessous, et ça, bah, je l'ai jamais vu. Tu vois, et pourtant ça fait 200 heures que j'y joue, plus de 200 heures, peut-être 210 heures là. Tu t'en rends compte? Eh oui, alors... Bonjour, c'est toi le troll? Ah oui. Ah oui, ah oui, 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 effectivement. Voilà. Allez, tranquillement.
On brûle. On brûle. Oh, je bouge pas. Si, allez, on va un petit peu bouger pour rajouter de la difficulté à ce qui me tue, tu vois. Hé, hey, crève, toi. Gardien troll, là. Tu veux quoi, toi? Attends, d'y voir. Je vais me recharger un petit peu en magie. Et je vais te racler comme il se doit. D'ailleurs, j'ai plus de potions de magie. Bah, c'est bon. Vous êtes tous crevés. Et bah, voilà. Est-ce que c'était difficile de me laisser gagner? Non? Bah. On a quoi? Pas des petites choses là? Des petits. Hein? Comment dire? Des petits coffres quoi? Ah, il y avait des gens qui habitaient là? Bah, ils se sont fait hagra comme disent les Legends. C'est quoi ça? Ah, voilà, qu'est-ce que j'ai pas fait? Oh, ils étaient bien. Oh, bah le voilà! Bandits. Ah, mais c'était des bandits, donc c'est pas grave. Qu'ils crèvent tous. Pourquoi il y a des flèches comme ça, là? C'est complètement débile. C'est quoi, ça? Ça donne pas de quête, ça améliore pas mes compétences. Je m'en fous. Oh, bah alors. Ben, ça va? Au feu! Bon. Bah, il y avait pas grand-chose. Ouh, ça va faire 2 heures que je stream. Et quelle heure là? Ah ouais, il est minuit. Et paf, pif, pouf. Alors, on a du mal à charger les maps. C'est ça? C'est ça que t'as réussi? Oh, je peux faire un plongeon là. Fais voir. F5. S5, merci. Pouf. Ah, risqué. Ouais. Et bah voilà. Pas laisser attendre. Eh oui. Eh oui, les corneaux. Là. Oh, un Vassar. Vas-y, Vassar. Ah, il y a tellement de lieux que j'ai pas découvert dans ce jeu. Il est infini, ce jeu. Il y aura toujours des petits trucs à faire. Toujours des petites quêtes. Des petits... Eh oui. Ah, je vais pas faire un gros stream aujourd'hui, hein. Je vais sûrement arrêter à, je sais pas, 2h, 2h30 de jeu. On va voir, hein. On va voir comment ça se... 2h, 2h30 de stream, je veux dire. Mon dieu, c'est magnifique, j'adore ce genre de paysage comme ça avec les montagnes. Putain, mais il est encore là, ce dragon. Mais t'en as pas marre, attends, je vais le faire valdinguer à l'autre bout de bord de ciel. Attends, bouge pas, ça va bien se passer. Oh, bah c'était pas folichon. Dommage. Bon. Mais je sais pas pourquoi il est là. J'ai tué aucun dragon ici. C'est un coup, c'est un cadavre de dragon qui me suit. Là où je me téléporte, pouf. Parce que j'ai tué un dragon. Là où il y en avait deux juste avant, là. Et il y en a un, j'ai pas récupéré son âme. C'est un coup, c'est lui. Et il y a un bug qui fait que quand je réapparais là, bah lui, il apparaît ici. Vous savez, ce jeu, il est tellement complexe. Ah, pour programmer un jeu comme ça, pour le modéliser, pour le programmer, pour machin, pour truc, il y a forcément des trucs qui bug, quoi. Vous saurez enfin ce que cela signifie d'avoir l'esprit du vrai chasseur, selon les traditions nordiques. Eh ben. Pour cet exploit, vous avez gagné la bénédiction de Kin. Tout ça pour ça? Et vous pouvez me considérer désormais comme un ami. Ah bah. Symbole de Kin à joue. Ok, symbole de Kin, non. Ah. Terminer les épreuves sacrées de Kin, d'accord. Il n'y a pas commencé. Bon. Qu'est-ce qu'il m'a donné, ce con? C'est pas dans un truc de Kin. Ah, bah voilà. Symbole de Kin. Les dégâts infligés par des animaux sont réduits de 10%. Les arcs infligent 5% de dégâts supplémentaires. Bah, tout ça pour ça. Bon, allez voir. Alors t'es un œuf. C'est quoi ça? Attends, c'est quoi ça? Œuf de géant. Vous n'êtes pas aussi stupide. Oui. D'accord, il me donne pas d'autres quêtes. Ah bon. Bah, tout ça pour une vieille babiole. Bah, dis donc. On se fait pas chier, monsieur. Et qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ah, je sais pas. Non, on va pas y aller. Ici, il doit y avoir des trucs, c'est obligé. Il y a plein de. Oh là là. Là, je vais avoir plein de trucs. Non? Je sais pas. Bon, ça fait combien là? Ouais, ça va faire 2 heures là. Et je suis à combien d'heures de jeu? Dis-moi,
210 heures. Et ben, bon Dieu. Allez, retour Windows, ça va friser, ça va, voilà, ça le fait, voilà. Alors, avec le petit rond, ça s'est enlevé, mon Dieu. Eh ben, écoutez, c'était un stream de piètre qualité, mais fort sympathique à faire. Je vous souhaite... qu'est-ce que je vous souhaiterais bien? Oula, ça... C'est bon, 30 FPS, tu me dis... Ah, ouais. C'est un peu plus en 20. Le 30, bah, je pense que je vais faire un Oblivion. Je vais streamer un peu plus sur Oblivion. Il faudrait que je trouve sur comment streamer avec ma Switch. Comment streamer avec ma Switch. Sinon, à part ça, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une excellente journée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez ça, hein, bien sûr. On est sur Internet, si vous n'êtes pas au courant. Et une excellente vie. Ouais. Rien que ça. Sinon, à part ça, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut.